Kwasi Kwadio-Mermoz, secrétaire général du PIT. Depuis quelque temps, il y a des réactions de certains militants du PIT, je pourrais dire même soi-disant militants du PIT, relativement à l'organisation du premier congrès ordinaire du RHDP. Et donc cette conférence de presse avait pour objectif de faire le point de la situation et de donner les informations nécessaires à nos militants et à la population ivoirienne, et aussi à nos alliés. Vous savez que le PIT est membre du RHDP, ce n'est plus à discuter. Le parti, avant, donc notre direction était dans les mains de M. Akaizi, qui l'a complètement noyé. Les choses ne fonctionnaient plus du tout au niveau du parti. Et les militants ont pris la décision de faire en sorte que le PIT revive. C'est ainsi que la direction nous a été effectivement confiée avec le professeur Seka Seka Joseph comme président du parti et moi-même secrétaire général du parti. Et depuis ce jour, nous avons fait un excellent travail. Et dans la ligne de ce qui avait été décidé à partir de 2010, donc aux élections présidentielles de 2010, d'être en alliance avec le RHDP, le PIT a continué dans ce sens-là. Et le PIT est allé plus loin. Et toutes les instances ont décidé que le PIT appartienne effectivement au RHDP, soit partie intégrante du RHDP. Et ça, toutes les structures du PIT l'ont décidé. Et nous sommes aujourd'hui membres du RHDP. Depuis 2016, d'ailleurs, nous sommes membres du RHDP. Et donc, c'est une affirmation incontestable. Et le PIT a pris sa part depuis les préparatifs de ce congrès jusqu'à nos jours. Nos militants, nos militantes sont mobilisés et nous avons demandé donc à tous et à toutes d'être prêts pour la messe qui va se dérouler les 25 et 26 janvier 2019. Je vous remercie.